Wind 08, 0 degrees, 5 knots. Correction, kilojet, vous poursuivez. C'est Kilo Juliet, goodbye, thank you. Québec Kilo, je rejoins la douane. Ils sont partout, mais combien sont-ils exactement? Personne ne le sait. Tressés en une véritable toile d'araignée, les câbles constituent un piège mortel pour les pilotes appelés à évoluer près du relief. Une fois de plus, un câble est venu allonger la trop longue liste des drames impliquant notre canton. Jean-Pierre Allette trouve la mort dans la région de l'Oberalpe alors qu'il rentre à Sion à bord d'un Bell 47. 1974, Pierre Pellegrin et deux de ses passagers se tuent sur une ligne à haute tension du côté de Domodossola. 1980, Willy Morard percute un câble à Châteauneuf lors d'un vol d'épandage et décède de ses blessures. 1982, l'Alouette 3 de Fernand Martignoni entre en collision avec une installation de transport dans la région des Diablerets. Les cinq occupants de l'appareil, dont le vétérinaire cantonal Georges Brunner, sont tués sur le coup. 1984, un lama touche une ligne téléphonique à Fuy après avoir traité une vigne. Par chance, le pilote s'en tire avec quelques jours d'hôpital. 1985. Quatre Genevois rendent visite à José Giovanni en tournage dans la région de Fionné. Leur jet Ranger percute un obstacle, tous trouvent la mort. 1988, les deux occupants d'un Piper se tuent sur la ligne à haute tension qui relie l'usine de Chavalon à la plaine. 1988 toujours, un pilote de la compagnie Air Zermatt est grièvement blessé lors d'un transport à Saint-Nicolas. 1992, un hélicoptère biplace s'écrase dans la forêt de Finges après avoir heurté une ligne électrique. Pilote et passagers décèdent sur les lieux. Selon les témoins, l'hélicoptère a heurté violemment le sol puis a été réduit en poussière sous l'effet d'une explosion. Les premières explications avec un expert. Il y a eu très probablement un incident important en vol qui a provoqué la chute de l'appareil. De jour comme de nuit, ils se rendent sur les lieux d'accident pour en élucider les causes. Ces enquêteurs d'un genre très particulier, nous les avons rencontrés. Situé dans le bâtiment de la gare de Berne, le Bureau fédéral d'enquête sur les accidents d'aviation publie ses conclusions au travers de rapports. Des milliers de pilotes les lisent à travers tout le pays. Jean Auvernet, qui a pris la direction du bureau l'année passée, travaille dans la maison depuis 20 ans. Parmi ses dossiers actuels, une pénible affaire qu'il traite avec des homologues étrangers. Le vol en question portait le numéro SR-111. C'était le 3 septembre dernier, du côté d'Halifax. Notre mission, en fait, est d'essayer d'éviter qu'un tel accident se reproduise. Donc, c'est la prévention. Nous allons donc enquêter les accidents et nous allons aussi réfléchir comment est-ce qu'on pourrait éviter ces accidents en émettant des consignes de sécurité. Il n'y a jamais qu'une seule cause à un accident. Un accident a toujours au moins trois causes. Pas toujours nous arrivons à les trouver, ces trois causes, parce que des fois, c'est le pilote qui devrait nous dire ce qui s'est passé avant, dans sa préparation de vol, et peut-être qu'on arriverait des fois à compléter le schéma. Mais c'est pratiquement toujours une suite de conséquences. Ces causes qui provoquent des collisions avec des câbles, nous avons cherché à les connaître. Étonnamment, la quasi-totalité des cas concernaient des câbles balisés ou inscrits sur des cartes d'obstacles. Dans certains cas, les pilotes connaissaient parfaitement la présence du câble. Parmi tous les accidents que nous avons évoqués, un seul a été causé par un câble non signalé. Celui qui a coûté la vie à Fernand Martignoni
et à ses 4 passagers. Base de la Riga à Lausanne. Plus de 700 fois par année, de jour comme de nuit, l'Agusta 109K2 décolle pour porter secours aux personnes en détresse, principalement lors d'accidents de la circulation. Là, tu là aussi, on treuille. Ouais. Par contre, au petit lac, ici, tu peux poser. Silvio Refondini est l'un des pilotes les plus connus de Suisse romande. Depuis la création de la base, en 1979, il ne compte plus ses missions de secours. Le problème des câbles, il le connaît par cœur. Il y a beaucoup de phénomènes qui entrent en ligne de compte. Il y a d'abord la fatigue, il y a le stress de la mission, il y a la pression du client, il y a la météo, il y a la méconnaissance d'une vallée ou d'une région, il y a l'attention qu'on doit apporter en regardant dehors sur un point spécifique de la nature que le client veut survoler ou il veut voir. Tous ces facteurs font qu'en plus du câble pur, donc le pilote peut être amené à oublier le câble pendant quelques secondes, et ces quelques secondes sont en général fatales. Ça nous est arrivé à nous-mêmes de voler en hélicoptère et de chercher un câble des yeux et de le trouver brusquement à un endroit plus proche que ce qu'on attendait, parce que tout simplement, il y avait un jeu de lumière qui nous était défavorable. Que les pilotes soient civils ou militaires, les cartes d'obstacles sont les mêmes. À différentes échelles, les câbles sont reproduits à l'aide de traits rouges. Voyez à quoi ressemble la région de l'Entlebourg, véritable cauchemar des pilotes. Daniel Giromini est contrôleur de la sécurité aérienne à l'aéroport militaire de Sion. Son job, c'est de recenser les dernières modifications d'obstacles et de les dessiner sur du papier calque. Avant chaque vol, le pilote reporte ce document sur ses propres cartes. Les nouveaux câbles apparaissent immédiatement par transparence. On a des antennes, des tours, des groupes d'obstacles de 100 mètres ou plus par rapport au sol. Ensuite, des obstacles ou groupes d'obstacles qui sont éclairés cette fois-ci, genre l'antenne de l'Inda. Des lignes haute tension qui sont banalisées, balisées donc avec les points habituels, les ronds, les sphères orange. Ou sans cela, alors on se retrouve avec les lignes de téléphérique ou de... à ce niveau-là, donc téléphérique, télésiège. Et c'est répertorié à partir d'une certaine hauteur, donc 25 mètres à l'extérieur des zones à forte agglomération et 60 mètres à l'intérieur de ces zones.